Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la saison 8 de Fortnite, toutes les nouveautés, qu'est-ce qui a changé, etc. Je vais tout vous expliquer. Et aussi j'ai tué N. Donc vous allez voir, c'était vraiment le vrai N les gars, hein. C'était vraiment vrai, on a été regardé en rediff, etc. Même en game sur le tracker, c'était vraiment lui. Donc vous allez voir ça juste après, juste avant que la vidéo commence. N'hésitez pas les gars à acheter le pass de combat avec mon code créateur Cocteau, voilà, ça me soutient énormément. Surtout que j'aimerais bien acheter une nouvelle caméra les gars, une vraie cam pour avoir un petit flou derrière. Donc si vous voulez me soutenir, code créateur Cocteau la boutique, ça vous coûte absolument rien. Et moi ça m'aide énormément. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, moi je vais t'expliquer toutes les nouveautés. Alors les gars, je vais faire très simple, en nouveauté, qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a les grenades qui ont été remises, il y a le railgun, il y a une espèce de minigun bizarre, il y a quoi d'autre? Il y a le FAMAS, le levier, le tactique qui a été enlevé, le space 12 pour ceux qui se demandent, il y a encore, le pad, il y a encore, il n'y a pas les pads bleus. Du coup, ils y ont... en fait, un chasseur ou un levier, on peut l'améliorer en charge. Et il faut savoir un truc les gars, alors ça c'est un avis personnel, je mettrai le space 12, le chasseur, le pompe à charge et le levier en termes de puissance de pompe à couleur égale à peu près. Donc pour moi, genre vraiment, le levier c'est l'arme la moins forte, le charge c'est un peu plus fort. Mais par exemple, moi le problème de cette saison là, c'est qu'un space 12 vs un charge, le space 12 il éclate le mec au charge. Hein. Vraiment le space 12, bah c'est trop fort et pour moi il devrait le nerf parce que bah en fait c'est RNG d'avoir un space 12, donc ça rend un peu le truc chiant quoi. Sinon je vous laisse découvrir un petit peu les nouveautés, vous allez voir. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire ou venez directement sur ma chaîne Twitch, je vais tout y répondre. Mais normalement j'ai essayé de faire un maximum de petites références à tout ce qu'il y a de nouveau, donc voilà, bon visionnage. Une aim, non, allez, une aim vraiment catastrophique les gars. Attends, il a pris 0 dégâts de chute là. Laisse-moi lui, laisse vraiment, je vais te mettre des patates de fort. Hein. Oh, what the, ah ouais, j'avais oublié, c'est vrai, wesh, quel bail. Non mais ouais, non mais quoi? C'est vraiment trop fort. Hein. Oh! Wesh! Les poissons cubes ombre. Attends, quoi? Le poisson ombre. C'est quoi ça? Ok. En vrai, traverser. Ouais. Attends, qui est quoi? Hein? Wesh, quel bail. Attends, mais ils ont pas trop de vie en plus, mais. On va trop là. Mais là, il y a des gens qui peuvent me tirer dessus là. Il y a que moi là. Mais ouais, j'ai des puantes. Ah, mais c'est qu'il y a un coffre à prendre. Attends, wesh. Des cubes, tu peux en... Oh, 50 cubes. Tu l'as en mythique. Ah ouais. On va tester sur un mec. Ouais, bon, en vrai, je suis mitigé. Hein. Espèce de gros noobs. Et voilà, ça revient au même, ça revient au même. Ça revient au même que la saison dernière, hein. C'est le space 12 est trop avantageux. Genre, tu... Enfin, c'est trop fort, frère. Bah, il est trop con aussi, le mec, là. Il fait pas d'effort, hein. Ça, tu peux l'améliorer en minigun mythique, je suppose. Ouah, légendaire, frère. Faire les stats du truc. Et du coup, c'est quoi les stats? 22, ouais, je sais pas. Merde, ça. Quoi, c'est à lui? Wesh! Oui, c'est joué, hein. Ah
Ouais, tu vois, en vrai, le chasseur est vraiment au-dessus. Hein. Le chasseur est vraiment, vraiment au-dessus du chat. Non, le chasseur est vraiment au-dessus. Tu mets pas de dégâts par rapport au chasseur, tu vois. Par contre, ce qui est trop bien avec le levier, tu te sens tellement fluide. Le levier, tu te sens trop fluide avec, je te jure. Rien. Les gars, regardez, tu ne peux rien faire, les gars. J'ai un space, tu ne peux rien faire. Tu es ma petite chienne. Et il nous fait quoi, les gars? Franchement, cette saison, si je travaille le jeu, je pense que je peux au moins cacher au moins une fois, tu vois. En ayant un peu de chance et en jouant bien, je pense qu'il y a moins que ça passe. TN, jure, un monde organisé, on va tous les canaliser. Hasta luego. Bah, tu peux ramasser les trucs ou pas? Tu peux quand même ramasser les trucs. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ah ouais, mais t'as un délai. Ah, en vrai, c'est fort, mais t'as quand même un délai de baiser. Hein. En vrai, c'est fort, mais t'as un délai de fou. Hein. Alors j'ai envie de voir ça coûte aussi cher. Ok, bon bah ça va pas changer. Hein. Je voulais juste voir ça, les gars. Oh bah ça y est, le sniper un peu bizarre que j'avais dit. Et là normalement je peux faire du coup un truc assez spécial avec ça normalement, je crois. Hein. Du coup les potes, c'est la fin de la vidéo, mais j'ai oublié de vous dire un truc très important, les snipers ont été enlevés du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la saison, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Au niveau de la map, pas de grands changements, mais vous inquiétez pas, je pense que les changements ça va être au fil des semaines, etc. La map va évoluer à droite, à gauche, on a l'habitude. Maintenant Fortnite, ils font pas une grosse mise à jour où il y a des grosses nouveautés, c'est plus bah, une mise à jour importante et après ça se développe au fil du temps. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui se demandent, oui, c'était vraiment le vrai N, on a vérifié, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez surtout pas le code créateur Cocteau si vous achetez le pass de combat. Bref, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout une bonne découverte de la saison.